Nobody know, nobody know. Nobody know, nobody know. Nobody know, nobody knows me. Nako kende wapi papa eh? Natuna nani mosusu. Nakende wapi zamena lola eh? Natuna nani El Shaddai mosungi monene mbovele Yesu. Mosungi monene mbovele seyo. Yo kelanga imawa ya ya e. Telemisa mopanga na yo lelo yo. Oyo nde kairo se. Shalom, shalom people of God. May God bless you because you are blessed again one more time this night. I want to start by to say that it's right in the book of Timothy chapter 3 verse 16 that all writing is useful for educating and teaching. Donc je voudrais dire quoi par là, je vais aller en français parce que j'ai beaucoup de messages, les gens me disent qu'il faut parler, interpréter aussi en français. Je voulais dire qu'il est écrit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et éduquer. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Notre Dieu, c'est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Malgré nos péchés, malgré nos bêtises, mais Dieu nous aime toujours parce que Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Si tu ôtes les péchés, Dieu sera avec toi. Malgré les péchés, mais Dieu peut toujours te garder parce qu'il a un projet avec toi jusqu'à ce qu'il te laisse le temps juste pour arrêter avec les péchés. Je reviens pour dire encore Matthieu 1, 12. Matthieu 1, 12. Là où Dieu dit après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel et Salatiel engendra Zorobabel. Mon problème c'est engendrer. Engendrer c'est prospérer. Engendrer c'est aller de l'avant. Engendrer dans tous les domaines. Engendrer dans les domaines de business. Engendrer dans le mariage. Engendrer dans ce que Dieu est en train de faire. C'est là où je suis en train de parler d'engendrer. Malgré les bêtises qu'ont fait nos grands-pères à Babylone. Parce que notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas qu'on puisse le mélanger avec un autre Dieu. Mais les ancêtres à Babylone, ils ont adoré les dieux étrangers. Dieu n'était pas content avec ça. Avec ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas construire pour moi l'église. C'est pour cela, la Bible dit qu'après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Parce que c'est sûr que Jéconias a adoré les dieux étrangers. Dieu ne pouvait pas accepter que Jéconias puisse construire pour lui le temple. Et après, il engendra Salatiel. Salatiel que je vois comme l'image du Christ parce que Salatiel, lui, n'a pas adoré les dieux étrangers. Mais c'est du Salatiel qu'est sorti Zorobabel. Zorobabel qui a construit l'église de Dieu. Il a terminé l'église de Dieu avec ses propres mains. Si nous allons dans le livre de Zacharie, Zacharie 4, 6, on commence par 6. Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, moi l'Éternel, Dieu des armées. Quand nous descendons encore à 7, Dieu dit, il se tourne vers la montagne pour dire à la montagne, qui es-tu montagne devant Zoro, qui sera aplani et il posera une pierre sur toi sous les acclamations. Grâce sur grâce, 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 que je peux dire grâce sur grâce. Les acclamations que je prends comme louange. Alors, je voudrais dire quoi par là? L'église est dénigrée aujourd'hui, l'église est insultée. Il y a même les musiciens qui ont chanté, il y a même les gens qui ont dit que l'église a échoué sa mission contre Corona. Non, l'église n'a pas échoué sa mission. Corona est comme la montagne. Je peux dire ce soir que notre Corona est comme la montagne. Corona est comme le problème qui est en train de te tourmenter. Corona est comme l'argent qui te manque aujourd'hui. Corona est comme cette maladie-là qui est en train de te tourmenter. Je te dis ce soir que Dieu dit à la montagne, cette montagne-là, Dieu dit que tu seras aplani, effacé. On posera une pierre sur toi sous les acclamations, grâce sur grâce. Ne te tourmente pas parce que
Dieu est là, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu le créateur de toutes choses. Corona, c'est juste un petit nom, mais Dieu est un grand nom plus que Corona. C'est pourquoi je voudrais te dire ce soir, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, ton problème est plus petit, mais le nom de Dieu, de Jésus-Christ, est plus grand que ton problème. C'est ce que je voulais partager avec toi ce soir, que non, Dieu reste Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était le même hier pour les Moïse, les Paul et Silas. Il est notre Dieu, le même aujourd'hui. Aujourd'hui, il est mon Dieu avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Il sera le même éternellement avec ceux-là qui vont venir demain après nous. Alors, il faut tout d'abord croire, accepter la foi d'abord. Si tu crois que tu peux, tu peux. Si tu crois que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Dieu est là et puis il aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Répands-toi. Répands-toi et reviens à Jésus. C'est par la force de l'époux de l'église que Corona va terminer. Que Dieu vous bénisse. Be blessed.